À l'occasion de mes 500 abonnés, je crois que j'ai un petit peu plus de 500 abonnés, je voulais un petit peu marquer le coup. Donc j'ai réfléchi à plusieurs possibilités, notamment à l'idée d'un concours, mais évidemment comme je ne m'y suis pas pris assez à l'avance et vu que j'ai une vie un petit peu désordonnée en ce moment, je vous avouerai que j'ai pas eu du tout le temps d'organiser ça. Donc je pense que ce sera plutôt pour les 1000 abonnés, si un jour j'atteins les 1000 abonnés, je suis peut-être un petit peu optimiste sur ce coup-là. Mais bref, je vous propose de faire une petite foire aux questions. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu avec des filles sur YouTube, sur Facebook. Et voilà, j'ai pensé que ça pouvait être sympa, étant donné qu'on pose pas mal de questions, qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent d'ailleurs. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou en commentaire. Donc je vous propose voilà, de me poser tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, je m'expose à beaucoup là en vous disant ça. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Enfin, vous êtes libre de poser tout ce que vous voulez comme question. Maintenant, je suis libre aussi d'y répondre ou pas, comme des petits coquinous. Donc voilà, vous posez vos questions sous la vidéo, là. J'espère que vous ne voyez pas comment je suis habillée en bas parce qu'en fait j'étais en train de faire de la peinture et je suis en pouilleuse totale quoi. J'ai un truc absolument ignoble, j'espère que vous ne voyez pas, mais tant pis, hein, de toute façon vous avez l'habitude avec moi. Voilà, vous posez vos petites questions là-dessous. Donc là on est le 7 mars je crois, truc dans le genre, le mois de mars en tout cas. Je vous laisse une semaine pour répondre, enfin pour répondre. Vous faites les questions et les réponses, c'est sympa comme truc aussi. Pour poser vos petites questions, et moi j'y répondrai la semaine prochaine. Je serai de nouveau dans un autre cadre la semaine prochaine, puisque je retourne chez mes parents en Normandie, où j'arrête pas de bouger. Nana est aux quatre coins de la France. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Essayez par contre de ne pas poser deux fois la même question, ça serait super sympa. Je pense pas qu'il y ait 10 000 commentaires sous la vidéo, donc vous pouvez regarder si la question n'a pas été posée. Ce serait super, ça me permettrait de vous citer à chaque fois que je lis une question. C'est quand même mieux que si je lis une question alors qu'il y a 10 fois la même qui est posée et que je cite donc une personne. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas encore très clair mon histoire. Même moi j'ai du mal à me comprendre, donc on est mal barré. Donc voilà. Petite parenthèse aussi, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont constaté que donc j'avais un compte Facebook qui est lié à ma chaîne YouTube. J'ai également un compte Facebook personnel. J'ai eu pas mal de demandes sur ce compte Facebook. Et malheureusement, je n'accepte pas les... mon compte Facebook personnel, comme son nom l'indique, il est personnel. Je suis désolée mais je fais bien la différence entre l'aventure YouTube, mes vidéos et ma vie personnelle. Donc mon compte Facebook il est réservé aux personnes que je connais très bien. Et certaines aussi. Oui c'est vrai qu'il y a certaines filles que j'ai rencontrées sur YouTube qui sont dans mon compte. Qui sont dans mes contacts perso, mais ce sont des filles. Particulière, voilà, avec lesquelles j'ai tissé des affinités particulières aussi. Donc j'espère que vous le comprendrez, que vous n'allez pas prendre mal, mais je préfère vous le dire comme ça en direct par vidéo plutôt que de refuser à chaque fois vos ajouts. Le compte lié à ma chaîne YouTube, c'est Paris Gina Mode Beauté Addict. Voilà, j'ai vu également qu'il y avait des gens qui me connaissent dans la vie réelle et qui m'ont trouvé sur YouTube. J'assume totalement ce que je fais parce que j'ai eu des petites remarques un peu désobligeantes. Et je vais pas y aller par quatre chemins, je vous emmerde en fait, voilà. Avec le sourire évidemment. Bon bah je vous fais de gros bisous, j'attends vos petites questions. Et je vous embrasse très fort et je vous remercie encore une fois, et là la vidéo s'y prête plus que jamais, pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Voilà, vous êtes des amours et voilà, ça me touche vraiment énormément. Gros bisous, ciao.